Ok. Allez, c'est parti. On est parti pour un nouvel entraînement pour ce lundi. Un entraînement assez intéressant. C'est un four time. Voilà, un four time assez long, hein, à peu près 18 minutes, 20, 25 minutes. On aura une partie de... On va faire 2 fois 40 mouvements. Un petit bloc et on va retourner sur les deux mouvements avec un volume de 40 sur chacun. On commencera par 40 jumping lunge, suivi de 40 single double strict press. Donc sur ce mouvement là, vous pouvez changer de bras quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, ainsi de suite. Vous faites un cumul de 40 mouvements. On va courir sur 600 mètres. On revient, on va faire 80 single dumbbell Russian swing. Le dumbbell va arriver au niveau des yeux, 80 mouvements. Et là, on va reprendre notre premier bloc, 40 single DB strict press, toujours pareil. On alternera comme on veut et on va finir par ce qu'on a commencé, 40 jumping lunge. Voilà, 18 minutes, c'est voilà, trouver un rythme. La première partie va donner un petit peu le tempo pour la deuxième partie. Avant ça, on va faire un warm-up, on va chercher de la qualité à peu près sur 6 minutes. Alors 6 minutes, si vous êtes pressé, vous n'avez pas trop de temps, vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Vous tournez assez lentement, vous essayez d'augmenter l'intensité au fur et à mesure de ce petit warm-up. 100 mètres de run, alors on va chercher un petit peu ses appuis, on pense à son gainage, etc. On fait 10 lunges, 10 push-ups avec un petit tempo, on va assez lentement sur le mouvement et on finit par 10 dB Romanian deadlift. Voilà, on fait ça, je vous dis, pendant 10 minutes et après on fait un petit tour de tête sur chaque mouvement et c'est parti pour votre entraînement. Un entraînement intéressant, ça c'est voilà, 18 minutes à 25. Bon entraînement, au suivant, pas la semaine, on coupe. Bon entraînement, demain c'est Clément. Minimaliste journée.